Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouveau concept dans lequel je vais réunir 10 joueurs et je vais leur laisser une heure pour construire un restaurant sur Fortnite de tout plat. Ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. McDo, KFC, restaurant gastronomique, restaurant japonais, restaurant tout ce qu'ils veulent. Franchement, ils ont une heure et ils ont le champ libre pour construire un restaurant, tout simplement. Si le concept vous plaît, les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, les gars. En route vers les 1 100 000 abonnés, je sais qu'on peut y arriver. À vous de jouer. Bon visionnage. Allez, c'est parti, les gars. Aussi, les amis, le concept vient de Youngship. Voilà, sachez en description. C'est parti les amis, on y va directement. J'ai réuni les 10 joueurs. Ils ont exactement une heure pour construire un restaurant. Du coup les gars, je vais vous laisser, du coup moi je vais partir. Je reviens dans une heure pour voir ce que vous allez faire. Et puis du coup on verra qui sera le gagnant. Du coup le gagnant aura une petite surprise, du coup là. Je vais rien vous dire pour le moment, voilà, vous êtes 10, je vous laisse. Est-ce que vous êtes chaud ou pas les gars d'ailleurs? Vous êtes chaud ou pas là? Bah ouais, chaud patate. Vas-y, bah du coup je vous laisse, on se casse dans une heure. Je lance le chrono, c'est quoi, je lance maintenant là. Je vous dis 3, 2, 1, go. Démarrer, ça part directement les gars. Oh putain. Ah oui, ça commence déjà, vas-y. Moi du coup je vais laisser, du coup je vais revenir dans exactement une heure les amis. Voilà, le chrono est lancé, dans une heure je reviens. Et on découvrira tout simplement les restaurants qui vont nous construire. Il y en a, ils sont, je vous jure, hein, j'ai pris des gens, ils sont beaucoup trop chauds, du coup pour le moment. On va pas se spoil, on va arrêter de regarder, on va quitter la map et on reviendra dans une heure. A tout de suite les amis, moi ça me prend une heure, vous ça va vous prendre 30 secondes, littéralement. Du coup on se capte tout de suite, c'est parti, allez let's go. 1 hour later. C'est parti les amis, on se retrouve une heure après, bah le lancement du chronomètre, là juste derrière. Bah cette petite maison, il y a les 10 restaurants qui ont été faits. Bah je suis avec Zedros du coup. Est-ce que Zedros ça a été dur? Franchement, dis-moi ce que t'en as pensé. En vrai ça va. Ça va? T'es pas prêt là? Je suis vraiment pas prêt là. Ok d'accord. Bon, on va garder Zedros, je sais qu'il est fort, tu vois. Zedros, je vais laisser pour la fin tout simplement. Et on va commencer à regarder les petites constructions. Déjà je vais commencer par celui à droite là. Là, ceci. Waouh. Alors là mec. Wow, oula. Mec c'est trop stylé. Il a fait un temple. Il a fait un temple en mode Sakura un peu gros. C'est trop stylé. Ok, on rentre, une petite entrée sympa, petit jardin, petit arbre. Sakura thème japonais. Et moi je kiffe. Franchement les gars, vous me connaissez, les animés, le Japon, je kiffe. Oh yo. Oh c'est encore. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup aussi mec, hein. Ouais. Tu sais, j'ai jamais vu de restaurant comme ça mec dans la vraie vie. Genre un restaurant thème japonais, tu vois, j'en ai jamais vu. Mais en vrai ça donne gros, c'est stylé quand même. Petit. Oh là. Non j'avoue je kiffe le petit côté jardin. Petit. Oh là là. Non, ah ça ouais. C'est stylé. Ça c'est stylé gros. J'aurais trop genre grind dans un petit resto comme ça, tu vois. Et dès que je suis de grind, hop je sors. C'est chill de ouf, tu vois. Avec une petite musique ambiance japonaise derrière et tout, ça peut être grave grave lourd. Ok. Okay, c'est stylé. Y'a quoi encore ici? Ok, petite. Oh, oh c'est des petits bancs. C'est des bancs. Oh là là. Oh là là. Oh, les petites particules. On va regarder l'étage vite fait. L'étage. Oh là là. Petite terrasse. Non, en vrai, c'est chauffé. Petite terrasse. Ouais. Oh non. Non, franchement, on applaudit. Lui, pour l'instant, je lui donne une note. Allez, on va donner un petit 7,5 sur 10. Ok, 7,5 sur 10. On commence tranquillement. Petit thème japonais. C'est clean, ça va. C'est clean. L'extérieur aussi. En vrai, c'est pas fini, mais c'est stylé. En vrai, c'est pas fini, mais c'est quand même stylé. C'est quand même une heure, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quand même court. Même s'il y a des gens. Oh, oh non, en vrai. En vrai, oh non, il a de la gueule. Quand tu regardes dehors, il a de la gueule en vrai. De là, ouais. Ouais, de ouf. Bon, celui à côté, du coup, passe à Shadow Bass Sophie. Oh là là, les gars. Petit thème, encore une fois, japonais. Voilà, on a deux arbres saku, ok. Du bambou, le petit bambou au milieu. Oh là là, le petit Shadow Bass Sophie juste ici. Petite lanterne japonaise aussi qui rentre par là, tac. Petit banc, oh là là, le resto, il est clean. Le resto, il est clean. Il est pas aéré comparé à celui d'avant, mais il est quand même clean. Ok, on a petit coin, petite poubelle aussi. Il a pas oublié, c'est très important. Il a pas oublié la petite poubelle. Ensuite, là, c'est quoi ça? C'est les toilettes? Ah non, c'est les cuisines. Oh ouais, t'es là, tu cuisines tranquillement, gros. Tac, tac. Par contre, il a pas nettoyé, il a pas fait la vaisselle là. Alors attends, je vais arriver de l'autre côté pour voir. Là, c'est quoi? Là, c'est les toilettes, j'imagine. Voilà, les toilettes, on connaît les gars, les petites toilettes. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien cette ambiance en vrai, là c'est cool. Il a pas oublié, lui par exemple, il a pas oublié les détails, genre tu vois, toilette, cuisine, poubelle, tu vois. Il a vraiment fait un vrai resto. Il y a un étage. Oh, il y a un étage, bah oui. Ouais. Petite partie ici. Non, mais ils se sont chauffés, frère. Oh là là. Oh lolo lolo. Non, mais regarde. Non, mais Zerox, regarde ici, frère. Ah ouais, il a fait une piscine. Ah oui, imagine, tu t'es là, mec. Assieds-toi en face de moi là. Hop, t'es là, t'es assis, gros. Et hop là, on ira déguster un bon petit plat japonais avec la petite vue à côté, gros. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, il a mis une faille. Ah, faut prendre la faille. Oh. On arrive où là? Ah ouais. La vue est belle. Ah ouais, pas cool. Pas cool. Franchement, lui, je lui donne un 8 sur 10. Allez, premier, 7,5 sur 10. Deuxième, 8 sur 10. Franchement, il a géré. On descend un petit coup. Non, vrai, mec, je lui donne un 7 sur 10. Par contre, là, ils ont fait pas mal de Sakura là. Hein. Je crois ils ont tous fait un petit thème japonais là, j'ai l'impression. Ok, bon. Premier, 7,5. Deuxième, il m'a quand même surpris. Du coup, un petit 8. Là, on passe. Oh Zedrox, c'est toi ça. Oui. Ça peut être que, les gars. On a en face de nous, les gars. Le McDo de Zedrox.
Ouais, je crois. Attends. Attends, mais t'as vraiment mis. Non, mais gros, t'as vraiment fait écho derrière. Attends, on va commencer par l'entrée. On va faire l'entrée, les gars. Là, dites-vous. Après confinement, t'arrives, t'es là, tranquille. Petite, c'est vraiment le vrai McDo en fait. Hein. T'as vraiment fait les petits parasols dehors avec les petites chaises et tout. Oh, ouais, c'est quoi ouais, ça? Oh là là, la petite pancarte et tout. Vraiment le logo McDo là avec ici, gros. On sait que c'est McDo, tu vois. Tu regardes, tu sais que c'est un McDo. Oh là là, la petite commande ici. Tu fais la queue ici, tac, la petite caisse. Mec, franchement. Là, franchement, je mets un 9,5 sur 10. Ah 9,5 ouais. sur 10, mais clairement. Oh, mais t'as. Oh, t'as vraiment le plateau, tu vois, le truc où tu glisses ton plateau et tu le poses en haut. Mais mec, attends, mais gros. Attends, mais tu sais, je suis vraiment pas déçu là. Ok, les petites boissons, les sauces et tout. Non, mais mec, tu sais que c'est carrément le McDo ça, par contre. Et c'est pas comment t'as fait pour trouver tous les détails, si t'as cherché sur Google Images ou quoi, mais vraiment. Ouais, vite fait, j'ai regardé la devanture de McDo. Vraiment là, t'as refait le McDo dans la vraie vie, mais sur Fortnite. Mais vraiment, c'est exactement le même. Allez, 9,5 sur 10. T'as vu même le panneau publicitaire là. Attends, Théo, je te vois pas. Ici, là. Ah oui, mais lui, frère, il est trop beau. Attends, je suis sur une petite cinématique, genre comme ça. Oh là là, ah ouais, de haut mec, il a de la gueule, vraiment. Le tien, il est original, il a de la gueule et ça fait plaisir. Franchement, attends, je vais faire le tour vite fait. Hop là, là derrière, il y a le petit drive ici, tac. Oh, t'as mis une petite poubelle derrière. Pas con, c'est là où ils la mettent en général aussi. Non, franchement, 9,5 sur 10, gros. J'ai même peut-être augmenté ta note si je vois que les autres ont pas trop géré, mais franchement, 9,5 sur 10 pour le McDo. Je t'ai surpassé là. Bon, maintenant, on va arriver là. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Ouais, non, attends, c'est quoi ce bail? Attends. Il nous a fait quoi lui? Why? Okay, d'accord. Lui c'est. Okay. Non mais là c'est ma petite qui m'a fait gros. Là c'est ma petite frère. La vie c'est ma petite qui m'a fait là. Attends, ok, bah attends, on va quand même essayer d'explorer le petit. Alors ça c'est vraiment un. Ah mais frère, attends, mais même les restos du monde. Sont... Faut monter je pense. Okay, si je crois, viens voir. Ok, Zedrock, je suis là. Ah oui d'accord, j'arrête de critiquer parce que j'ai quand même dit les Mac de... enfin les restos du Blaze sont beaucoup mieux. Bon, on a un petit ciel ici, on va dire que c'est un ciel vite fait. On va dire que c'est la plage au pire, c'est une vue sur la plage. Il y a le sable, d'accord. En gros c'est la plage avec le sable, ok d'accord, je commence à comprendre le bail. On traverse la route, tranquillement, non ça va, en vrai, je sais ce qu'on a regardé du mauvais côté. Oh mais on dirait grave ouais. Les... Oh mais je vois, oh, c'est... en vrai c'est original, genre t'as des cuisines en bas. Genre tu viens ici, hop, tu passes ta petite commande tranquillement. Et juste après tu montes en haut pour attendre que le mec ramène ta commande, ok. En vrai j'aime bien. C'est un peu fait à l'arrache. C'est genre si ça a été beau. Oh. What? Ouais c'est des cuisiniers, viens voir gros. T'as vu, il y a les cuistots ici. Il a fait les clients. Wesh. Ça va quoi les gars? Ça taffe dur ou quoi là? Ça travaille. Attends, ça j'y avais pas pensé. C'est vrai que ça, c'est bien joué pour sa part. En vrai bien joué. Ok, on a un petit côté ici. Non franchement, c'est un peu fait à l'arrache, mais sinon je trouve l'idée originale. Franchement l'idée originale. Ouais, j'aime bien. On pose un combien? Oh dur dans le chat quand même les gars, vous êtes durs là. Ouais moi je dis un 6 hein ouais. Ouais je dis un 6 aussi. Allez un petit 6. Parce que c'est un peu. Tu vois c'est original mais c'est fait à l'arrache, tu vois. Mais genre s'il aurait eu plus de temps, il aurait pu faire un truc. En vrai. On va quand même essayer de le cover un peu, tu vois. Ok, 6 sur 10. On passe directement à l'autre. On enchaîne les amis avec le petit resto. Là on part sur un petit resto encore une fois japonais. Mais frère, je crois ils m'ont touché dans le cœur. Ils savent que je kiffe le Japon, la culture, etc. Du coup forcément ils ont voulu m'acheter, tu vois. Bon, on a une petite voiture ici. Oh là là, petite voiture qui stationne. Petite grand arbre sakura juste ici. Et là on part sur une ambiance vraiment oufissime. Petit plancher en bois. Oh là là, le petit bambou. Oh là 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 là. La déco franchement déjà niveau déco les gars, c'est oufissime hein, vraiment. C'est... On sent que c'est un resto qui va coûter cher, tu vois. On sent que c'est un resto, tu rentres dedans, tu payes minimum 100 balles, tu vois, 100 balles, le, je sais pas, le repas, quoi. Oh, oula, oula, on y va doucement. Je sens que c'est un genre un resto chinois à volonté, un truc comme ça. Parce que j'ai vu le truc, je reconnais un peu, tu vois. Allez, on rentre, ferme la porte. Ok, petite poubelle, petit poster, et là, bam. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, non, c'est clairement un resto japonais à volonté, les gars. Enfin, chinois à volonté, là. T'arrives ici, hop, tu prends un petit truc, là. Une petite assiette on va dire, et là tu te remplis, hop là tu te mets. Oh, mais frère la bouffe, qu'est-ce que j'ai la dalle là, c'est bon j'ai trop faim maintenant. La vérité j'ai trop faim mec. C'est là avec ta petite assiette, hop tu remplis ton assiette à fond, tu te mets bien. Oh yo yo yo. Non en vrai lui il s'est chauffé. Arrête, t'as le petit coin, oh là là, t'as une petite télé aussi. Oh, mais c'est que c'est pas con ça. Il y a plein de gens ils ont pas pensé à ça par contre, la petite télé. Oh, j'avoue, la télé gros. Attends, non en vrai c'est trop stylé. Oh, côté boisson, côté, oh là là. Franchement, le resto de luxe là mec, tu l'as bien géré. Le petit resto là, je l'aime bien. Oh, attends, il y a des portes encore. Oh, ouf. Ok, on va pas se spoiler là. Là, il y a un autre étage. Il y a un autre étage. Attendez. Là, c'est quoi là? C'est les chiottes. Oh là là, magnifique. Oh, mais ces mecs là, ils sont trop forts. Franchement, les gars, j'avoue. Vous êtes vraiment beaucoup trop chaud. On va arriver là directement. Et là, on a une petite porte. Allez, suivez-moi, les gars. On y va, go go. On y va, on monte en haut. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Waouh. Oh, j'avoue que c'est magnifique. Hein. Tu manges ici. Genre, vraiment, moi, je kiffe quand tu manges. Là, genre,
la terrasse et genre t'as une vue sur le ciel, tu vois, t'es là, tu tapes ton petit sushi, tout ce que tu veux, et là t'as une vue sur le ciel, c'est magnifique gros. Donc imagine toi t'es là avec ta meuf gros, t'es assis comme ça gros, et t'as une magnifique vue en haut gros, avec les petits, oh là c'est magnifique, vraiment c'est, le petit dragon rouge aussi. Franchement, je lui mets la note les amis de 9,25 sur 10, 9,25, en vrai c'est pas mal, c'est vraiment clean, 9,25, vraiment c'est le boss. C'est clairement boss, vas-y, 9,25 les gars, c'est le deuxième du classement actuellement. On essaiera de refaire les votes un peu à la fin pour voir, mais franchement, il a grave bien géré lui. Mec, je suis choqué par contre. Bon, oh non, mais ça c'est, oh, en plus, mec, le ciel, encore une fois, je reparle du ciel, mais je suis obligé, tu vois. Là, frère, t'es là, c'est magnifique, gros. Ça, c'est les cuisines, en gros, genre les restos gastronomiques, entre guillemets, tu vois. Ils ont toujours des cuisines, mec, elles sont énormes. Ils sont 8 dedans, mec, ils sont là, ils travaillent. Hop, ils... plateau par plateau, mec, ils enchaînent. C'est magnifique, franchement, là. Là, je reconnais bien un petit resto gastronomique. Les tables comme ça, les chaises comme ça. Quand tu rentres dans un resto et que t'as des chaises comme ça, gros, ça c'est minimum 300 euros, les gars. Je vous le dis, hein. Minimum 300 euros le repas. Et lui, il est en moto, frère. Oh, mec, c'est trop stylé. Ok, on traîne, petit resto gastro, on traîne, voilà. Hop là, petite fleur. Petite bouteille là sur la table. Ok, là c'est la sortie en gros. Ah, c'est la sortie, ok. Attends, j'ai envie de voir l'étage quand même. On va voir le petit étage là en haut, qu'est-ce qu'il y a. Oh, c'est trop stylé. Non, franchement, les mecs, ils sont trop chauds. Le problème, c'est juste que c'est un peu vide, tu vois. Il aurait peut-être... Mais je crois que c'est fait exprès, peut-être qu'il y a des vitres en fait. Peut-être c'est des... En fait les gars, on va imaginer, fait genre que genre ce qu'on voit là c'est des vitres, tu vois. Parce que si c'était des vitres, ça aurait été magnifique vraiment. T'as des vues comme ça sur un château et tout, mec. Imagine t'es là mec, t'es en train de manger gros, comme ça là, sur un... avec ta copine là, comme ça. Et t'as une vue sur un magnifique château comme ça gros. Vraiment c'est magnifique. Après c'est vrai que les vitres c'est un peu mal fait, mais sinon je donnerais la note de... Tout simplement... De... Allez, 9 sur 10. 9 sur 10, frérot. Genre, niveau, tu vois, l'intérieur il est bien, mais l'extérieur, faut aussi taffer l'extérieur, quoi, tu vois, de temps en temps, faut bien le taffer. Où est-ce qu'on est là, les gars? Attendez, c'est. C'est la salle de karaté ou quoi, là, frérot? Là, c'est pour faire du karaté, là, les gars. Là, si je vous prends en un vaisseau et on fait du karaté. Mais attends, mais. C'est un dojo ici, gros, c'est pas un restaurant. Ils ont fait. Attends, ils ont fait un dojo, je rêve. Ok, ok, je suis là, les gars, ok, ok, calmez-vous, arrêtez. Non, mais. Attends, c'est un dojo. On décale ici sur un... Oh là 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 là. Oh là là. Bienvenue à Master Burger, ouvert de 6h à minuit. Ok. Co-créateur chez Thomas Sophie, sinon tu rentres pas. Ok, ok, d'accord. Même si le co-créateur il n'existe pas, mais c'est pas grave. On passe par là. Oh là là. C'est un peu vide. Ah. Mais je crois que là, ils se sont plagiés entre eux. Alors, monsieur, je voudrais un petit... double cheeseburger. J'ai un peu faim, tu vois. Coca et frites. Allez, maxi best-of. Mets-moi tout ça, frérot, régal. Imagine vraiment le serveur, il te regarde comme as, frère. Mais la vie que moi, je sors du resto, mais trop. Oh, j'avoue, les chefs, c'est original. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous pris des trucs différents, un peu, tu vois. Genre, si ça se ressemble pas forcément, à part à l'extérieur, tu vois, vite fait, le thème japonais, encore une fois. Mais sinon, franchement, c'est carré, c'est un peu vide au milieu. Il a peut-être dû mettre une fontaine. Moi, j'aurais mis une petite fontaine au milieu, tu vois. Une petite fontaine, ça aurait été. Oh, la fontaine, mec, je l'aurais mis 9 carrés. Hein. Là, on part sur un 8. Là, on part sur un 8 en vrai. Du coup, on monte un peu en haut, tac. Oh, alors là, mec, je grimpe ma note tout de suite à 9. Hein. Clairement. Le haut comme ça, avec les arbres sakura qui dépassent comme ça. Oh, j'aimerais tellement, mais vraiment tellement manger dans un resto comme ça, frère. T'es là, t'es posé, mec, t'es chill, petite musique chill, petit arbre. Je trouve ça trop beau, vraiment. Dans la vraie vie, j'aimerais trop voir un arbre genre... Ah, bah désolé, frérot. Désolé pour la chaise, je paierai les frais, t'inquiète pas. On part sur un petit resto de poisson. Poisson, ok, d'accord, d'accord, ça mange full poisson ici. Oh là là. Alors ça je kiffe mon pote. Oh là là, il a posé de la bouffe. Allez hop, moi je vais raconter tout ça. Prends le stock de poisson. Oh là là, c'est trop stylé. Ok déjà. Du coup les amis, on a une petite terrasse, voilà, avec des petites tables en bois, petit poisson. Putain, ça tire à fond là. Bon, ensuite on rentre. Oh là là, c'est stylé. En vrai, j'aime bien la petite ambiance, tu vois, comme ça médiévale un peu, tu vois. Tu rentres ici. Mettez-moi du poisson là. Et là hop là, t'as le mec qui arrive, tu mets du poisson. Et moi, je vais m'infiltrer dans les cuisines. Allez hop là. Dans les cuisines, ok. Oh, ah ouais, c'est full barbecue là, mon pote. Hein. Là, franchement, oula. Là, franchement, c'est full barbecue, frérot. Oh, c'est stylé, oh, c'est stylé. Allez, on balance du poisson, l'attaque. Allez, hop là, du poisson pour tout le monde, les gars. Régalez-vous, régalez-vous, go, go. Ah, ils ont faim, wesh, hein, ils ont faim. Alors, on a quoi? Ok, là, c'est l'étage. Ah, ok, d'accord, je suis passé. Alors, normalement, on monte par là. On monte par là. On passe. Et là. Ouh. Ah, mais c'est une auberge, en fait. C'est une auberge, non? En gros, c'est une auberge, genre, je peux manger et dormir en cours dedans, tu vois. Là, t'as la petite salle pour dormir. Là, c'est la petite salle, encore une fois, pour dormir. Ok. Et en bas, c'est pour manger. Ok. C'est une petite auberge, en vrai. Petite auberge sympa. Bon, allez, frérot. Moi, je me taille. Hop. En vrai, l'auberge, elle est clean. Ça a la gueule, tu vois, d'une auberge. Moi, je reconnais, tu vois. Donc, en vrai, je mettrai une petite note. Même si, tu vois, il y a des petits trucs encore qui ont été oubliés. Ah, mec, l'arrière, il est plus soigné que devant. Et c'est. Oh, mais il y a une piscine, en fait. Mais attendez, les gars, on a loupé des trucs, là, frérot. Attends. On attaque, les amis, le dernier restaurant. Il a l'air oufissime, par contre, gros. C'est un petit café. Un petit café. Oh. Petit pont des familles. Alors ça, mec, le jour où je rentre dans un café et je dois traverser un pont, mec, avec de l'eau en bas,
que c'est le feu, frère. Ok, petit café, petit pont. Alors ça, la pied... il a essayé. Tu vois, la fontaine, vous allez vous dire, ouais, mais c'est claqué. Mais frérot, il a quand même essayé. Il a fait l'effort de faire une petite fontaine. J'aime bien l'ambiance, en vrai. L'ambiance, c'est cosy, c'est chill. T'es là avec tes parents, au pire, tu manges. Petite fontaine, t'as les petits restos avec les petits sakura qui passent. La... oh, la... c'est la cuisine, par contre. Et bah, putain, mec, le gars... il s'est pas fait chier, hein, genre vraiment, hop, il est venu, il a posé son matos, il a fait bon, allez, c'est bon, j'ai mon resto. Mais sinon, c'est, en vrai, c'est de dehors, en vrai. Le fait de traverser un truc comme ça, c'est stylé, je trouve ça vraiment stylé. Oh, il y a une petite, oh, il y a une grosse cascade en plus, ici, là. Ah oui, il a dû se casser les couilles à la fin, par contre, la cascade. T'es là, hop, la petite cascade, tu descends. Et hop, t'atterris ici. Voilà, en vrai, ça, on donne une petite note de 8, les gars. Allez, un petit 8. Un petit 8, parce que c'est original, tu vois. Quand c'est original, tu gagnes quand même pas mal de points. Et franchement, les gars, franchement. On a le McDo quand même de... oh, Zedros quand même, il a... il a... oh là là, il y a le... En fait, je vais vous dire mes préférés, les gars. Mes préférés, c'est... en fait, le truc, le problème, c'est que en fait, ce thème japonais, il y en a trop qui l'ont refait, tu vois. Il y a lui, il y en a plein qui l'ont refait. Ça, ça se voit que ça a été fait de A à Z, tu vois. On voit la route ici, on voit tout, tu vois. McDo, il fait partie de mes préférés, clairement, les gars. McDo, c'est... tout en haut. Deuxièmement, lui, j'ai bien aimé aussi. Je trouve ça original, genre, la structure d'or et tout, ça se voit qu'il s'est quand même cassé les couilles à le faire, lui. Le restaurant gastronomique, l'intérieur, il est beau. Ça me rappelle des souvenirs, tu vois, quand j'étais petit. Mais l'extérieur, c'est moyen. Du coup, ça va jouer entre... ouais, ah, l'auberge aussi, elle est pas mal. Bon, il y a des petits défauts. En vrai, le McDo, les gars. On va pas se le cacher, les gars, c'est le McDo qui win. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le chat, les gars? Est-ce que sur le chat, vous êtes d'accord avec moi que c'est le McDo qui win? J'espère que vous aura plu, si vous appuyez, c'est mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, c'est Shadow Bass. Allez, ciao!